La présentation d'un Royal Baby est toujours orchestrée de façon très minutieuse. Et si celle du petit Archie Harrison Mountbatten Windsor semblait bien préparée, il se trouve que quelques modifications ont dû être faites au dernier moment. En effet, comme le rapporte The Sun, Meghan Markle et le prince Harry avaient initialement choisi de présenter leur premier enfant au monde entier sur les marches derrière le château de Windsor, là où ils avaient posé pour leur photo de mariage. Mais la météo peu clémente les a finalement contraints à organiser cet événement dans le St George Hall, dans le château. À découvrir aussi Prime Prométhique et LH Transformation for Women Over 60 Prime Prométhique Bar Vertical Sponsorisé Sponsorisé les Arnmore Partaboula Partaboula un nettoyage express du grand tapis rouge s'est donc imposé à la dernière minute, comme le rapporte The Sun, afin que le couple puisse faire une entrée royale avec leur petit Archie. Un adorable moment capté par les photographes de presse conviés à l'événement, mais également par le photographe personnel du duc et de la duchesse de Sussex, Chris Allerton, qui s'était également chargé de leurs photos de mariage. Auteur de trois sublimes clichés dévoilés ensuite sur le compte Instagram du couple, le photographe a su montrer ce que forment désormais Meghan Markle et le prince Harry, une famille comblée. Comme le souligne The Sun, il est également probable que le duc et la duchesse de Sussex avaient déjà choisi le prénom de leur bébé avant de le présenter au monde entier. Seulement, avant de révéler officiellement leur choix, ils se devaient de présenter leur petit Archie Harrison à la reine Elizabeth II.